Zone d'exercice au vol. Taille! Attends! Une! DOS! J'avais dit DOS, hein, mais. Quoi? Mais non, mais meurs! Au bout d'un moment, tu peux, là, c'est fini en fait! Mais quoi? Mais quoi? Mais y'a. Mais comment je. Mais vas-y, noie-toi, mais meurs, meurs, meurs! Oh, ça commence bien cet épisode! Bonjour à toutes et à tous, ici le plus bienvenue pour une nouvelle vidéo, l'épisode 125 du Let's Play. Ferme-la! Sur Zone Genèse de la Brasse of the Wild, bienvenue! On va se laisser mourir, hein, parce que c'est rigolo. Ah non, là on peut monter, lol. Ah non, pas assez par contre. Ah si, MDR! Dernier étage. Merci. Ah ouais, faut pas tomber dedans, hein, sinon c'est chiant pour remonter. Hein. Bon alors, apparemment il y a quelque chose à faire ici. Pourquoi la première fois ça n'a pas marché? Non, j'aimerais qu'on m'explique en fait, parce que c'est. Bah, c'est chiant quand ça marche pas. Et le pire du pire, c'est que ce sanctuaire, il est au fond de la crevasse. Après donc 2 minutes de vidéo, nous voilà donc. Face. Au pire sanctuaire hein, de tout Hyrule, celui de Nohiroji. Voilà. Bonjour. Donc cette épreuve fut simple. Maintenant, j'imagine que, comme dit dans le dernier épisode à la fin, ça va être ce sanctuaire le pire. Non, mais maintenant, en fait, je suis dans l'appréhension totale. Parce qu'à chaque fois que je commence un sanctuaire ou une épreuve de ce DLC, je me dis, mais est-ce que ça va être bien fait? Est-ce que je vais rager? Est-ce que je vais pas devoir regarder une soluce? On va voir. MDR. Vent porteur. Ça s'annonce très mal. Bon, alors. On a des courants d'air de partout. Ok, on en a d'autres ici. Attendez, on a un autre interrupteur, pardon, ici. Qui a l'air de faire activer celui-là. Est-ce que c'est timé? Ça a pas l'air. Pourquoi ça me permet pas de monter assez haut? Ah. Allô? Merci! Je me suis fait troller par le game. Ah ok. Ah ouais, grosse ambiance en tout cas. Alors oui, mais encore, parce que ça me permet pas d'aller très haut en fait, ça. Ah ouais, bonne ambiance. Ok. Parce que toi aussi, t'as l'impression que tu vas être zigouillé par. T'es con, Link, t'es complètement con. Ok, il y avait une hélice qui faisait ouvrir ou fermer la porte. On est bien là. Moi je dis on est bien. Ok.
Non, fais-moi monter, s'il te plaît. Merci. Putain, celui-là est désactivé. Bon alors. Y a encore une porte qui s'ouvre et qui se ferme, je crois, là-dedans. Voilà, là, il y a un truc. Salut. C'est tout? Ok. Ouais, mais le problème c'est que. Alors, oh, putain, il y a des trucs là encore. Ah oui, mais c'est là, c'est de là d'où je viens, ok. Oui, parce que j'ai. Non, non, le. Merci. Le courant. Non, le courant derrière, s'il te plaît. Merci. Oui, parce que j'ai pas encore eu le coffre. Et non! Où est-ce qu'il est caché, cet abruti? Aucune idée. Alors, Ok. La plateforme la plus basse, c'est celle-là. Donc, on va faire un coup de soufflette. Ok. Je me demande comment, à un moment, je me suis repris un boost. Je veux peut-être même pas savoir. Hein. Je me suis fait péter dessus par un géant. C'est peut-être le. Le bon délire. S'il te plaît, merci. Les bonnes perspectives de jeu. Ah, on aime ça. Attends, non, c'est chiant. Non, attends, attends, attends. Oh, mets-toi bien au milieu en fait. Merci. Oh. Merci. Alors, maintenant. Là. Ok, et le coffre du coup? Oh, à la limite, je veux peut-être même pas savoir. Non. Voilà! Sur ce sanctuaire est terminé. Voilà. Bon, ça allait. Il n'était pas si méchant que ça, faut le dire. C'était même intelligent. Mais retenez bien ça, c'est peut-être la seule fois que je le dis de ce DLC. Voilà. Bon, l'essentiel, c'est que je le dise avec le sourire. Encore un. Emblème de Meadow, blablabla. Bien. Deux épreuves, deux sanctuaires. Il ne nous manque plus que une épreuve et un sanctuaire pour retrouver les trois emblèmes nécessaires. D'ailleurs, c'est vrai qu'on s'est jamais posé la question, mais pourquoi on a besoin de trois emblèmes? C'est vrai, ouais, trois emblèmes de Naboris, trois emblèmes de Rutta, trois emblèmes de. Oui, Dania, pardonnez-moi. Et trois emblèmes de Meadow. C'est bien mignon, mais pourquoi on a besoin de ces trois emblèmes? Parce que sinon, la créature, elle nous fait. Pas possible. T'as pas les trois emblèmes. Ah non, je peux pas prendre le rendez-vous, gros. T'as pas les trois emblèmes. Moi, je suis pressé. C'est quoi, en fait, le lien? Non, parce que réellement. Genre. J'en vois pas l'utilité, mais bon. C'est pas grave. On va se réconforter un petit peu au chaud. Ça fait toujours plaisir. Et on va enlever. Cette balise qui ne s'enlève pas. Hein. La balise dissidente. Bien. Sur ce, messieurs, dames, je voulais dormir jusqu'au matin, mais non, il m'a refait descendre un coup. Bon, c'est pas grave. Sur ce, messieurs, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Je m'excuse encore une fois hein, pour la petitesse de l'épisode. À mon avis, il est encore très court. Mais voilà, j'en suis désolé. C'est le jeu qui veut ça. Et puis c'est surtout aussi que ça m'arrange d'un côté, ça me permet d'avoir eh bien des petits épisodes à tourner et à monter, comme ça je peux en faire plusieurs à la suite, et voilà, ça me fait gagner du temps. Je fais de gros bisous donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce rouge si la vidéo ne vous a pas plu, je fais de gros bisous donc, c'était Lanou, et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur The Legend of Zelda Breath of the Wild ou de jeu sur la chaîne. Bisous, c'était Lanou.